Librairie à Stendhal. Les rencontres de la Librairie française de Rome. Grazie di essere qua. Beh, facciamo in italiano già all'inizio, ma grazie veramente perché è un bellissimo miscuglio di nuovi amici, come Claudia, gli amici più anziani, che sono quelli del Lycée e quelli nel mezzo e quelli che non... Dunque, grazie mille di essere qua. E vorrei anche ringraziare perché questa è la traduzione di un libro che io ho pubblicato in inglese 9 anni fa con Yale University Press ed è più bello, secondo me, adesso. Ed è stato veramente un gran regalo da parte di Maculat. Sono venuti e mi hanno chiesto se lo potevano tradurre. E dunque vorrei ringraziare Véronique Hersin e Yann Le Borgne, Maculat, che è la più bella press che si può avere, insomma, nel mio campo in francese, e anche Véronique Hersin Le Grand, che lo ha tradotto e l'ha tradotto benissimo, e a Marie-Ève, la proprietaria. Io non sapevo neanche, io pensavo, quando questo era la Lifra, io pensavo che apparteneva allo Stato francese quando venivamo a comprare i libri qua. Invece no, è privato e appartiene adesso a Marie-Ève. Dunque, that's the way it is. Poi e a Stefano Chiodi, che è veramente il mio interlocutore preferito di sempre e per questo libro che ho appena finito sull'Italia negli anni 60 è anche il mio maestro. No. Allora, je pense qu'on va parler français. D'abord, merci d'être intervenu ce soir. Je sais que Romy a préparé une suite d'images assez riche et aussi un texte, un commentaire assez riche. Donc, je vais me limiter au strict essentiel, c'est-à-dire de vous indiquer quelques points, ou deux points, en fait, intéressants du livre et aussi de l'auteur du livre. Et ensuite, on va peut-être essayer de dialoguer autour des images, autour du contenu du livre. Comme Romy a dit, c'est un livre qui a été publié il y a 8 ans aux États-Unis, donc il vient de paraître en France dans cette édition magnifique. Je dois dire que comme qualité d'impression, qualité d'image, est un livre vraiment formidable aussi. Le format qui est particulièrement adapté, vous voyez, c'est très, très intéressant. Et le nombre d'illustrations, c'est un livre extrêmement riche et avec des illustrations aussi très rares. Hein, dans plusieurs cas, c'est vraiment des objets assez indéfinissables, des objets qui n'ont jamais été reproduits, des détails. Voilà, mais ce n'est pas ça qui fait l'intérêt de ce livre seulement, évidemment, à part la qualité de l'impression. C'est que, comme le dit le sous-titre, en fait, il s'agit donc d'un texte, d'un livre qui déclare sur la couverture qui se met sous le signe du paradoxe. Alors ça, c'est très intéressant et fait partie de la démarche que Romy Golan a souvent pris dans son travail, c'est de prendre l'histoire à l'envers, c'est-à-dire de travailler non pas sur la continuité, sur la causalité, sur disons un récit linéaire de l'histoire, mais de prendre l'histoire à rebours. Contre-poil, comme disait quelqu'un. Et contre-poil, ça veut dire que de montrer là où on supposerait une continuité, de là où on supposerait une sorte d'évolution ou de passage, même accidenté et compliqué, mais quand même une continuité, au contraire, d'individuer des points de rupture, des discontinuités, des contradictions. Alors, cela me paraît un signe très intéressant d'un point de vue de la méthode que le livre met en place, de l'approche donc à l'histoire de l'art et à l'histoire des images, qui n'est pas seulement celle de l'art, évidemment, et aux problèmes historiques que le livre rencontre au fil de sa narration. Grosso modo, encore sur la couverture, il y a deux dates, 1927-1957, c'est les 30 ans donc, centrales du XXe siècle,
une période qui va donc immédiatement avant la grande crise de 1929 et qui se termine en pleine reconstruction après-guerre. Et ces 30 ans montrent comme phénomène qui passe derrière et qui reste parfois sur le fond, parfois on se rapproche, on peut l'examiner, c'est les 30 ans de la crise du modernisme et de la crise de la modernité. Alors, c'est les deux grandes crises. D'un côté, la crise de la modernité, la guerre, les années 30, le totalitarisme et aussi la guerre froide. De l'autre côté, la crise du modernisme, c'est-à-dire la crise des langages et des idéologies modernistes qui étaient censées, en fait, reconstruire le siècle. Cette fameuse image, célèbre image du siècle comme un énorme animal avec le dos cassé, le siècle de Mandelstam, le poème de Mandelstam qui a été, entre autres, commenté par Alain Badiou et Giorgio Agamben. Comme vous vous souvenez, le siècle, dès le début, se montre avec un dos cassé. Et c'est un siècle qui est en même temps, il a l'ossature d'un enfant, donc c'est des os encore souples, encore prêts qui attendent de grandir. Et de l'autre côté, c'est un fossile, c'est un animal déjà à l'état fossile, c'est déjà un animal très très ancien. Donc cette contradiction, ce paradoxe, est aussi un paradoxe temporel et artistique en même temps. Donc c'est toujours dans l'approche de Romy Golan, il y a toujours l'idée que le temps linéaire n'existe pas. Cette abstraction, si utile parfois, est en réalité un produit déjà. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut déconstruire avant même de penser et au cas particulier. Il faut remettre en question cette linéarité. Et le fait que les objets qu'elle rencontre et qu'on va voir ce soir, les objets eux-mêmes sont c'est des objets où on peut vraiment, grâce à son analyse, reconnaître cette ligne de fracture. À l'intérieur des images, à l'intérieur même de l'iconographie et de la matière des images, on rencontre un paradoxe, une opposition. Je vous donne deux exemples qu'on va évidemment examiner tout à l'heure. Deux images plutôt, une célèbre, l'autre un peu moins, mais très connue par les historiens de l'art. Guernica de Picasso et la grande mosaïque de Mario Sironi. Le travail fasciste, il lavoro fascista, qui a été créé en 1936 et ensuite exposé en 1937 dans la même exposition universelle de Paris où Guernica a été exposé. Ces deux objets hyper connus sur lesquels on a écrit des encyclopédies, on peut dire, surtout sur Guernica, eh bien, elles montrent, même au cœur d'objets très très bien connus, qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Qu'il y a des rapports, par exemple Guernica est mis en rapport avec tout autre genre, le photomural, c'est-à-dire la photographie en noir et blanc qu'on utilisait dès les années 20 en Union soviétique et ensuite en Italie, notamment dans l'exposition du décennal du fascisme en 1932 et ensuite dans plusieurs autres contextes. Le photomural était utilisé même dans le pavillon espagnol de la République espagnole à Paris en 1937. Et cette analogie est extraordinaire, non seulement parce qu'elle nous permet de voir le noir et blanc. Vous vous souvenez certainement du commentaire de Giulio Caro Organ de Guernica, qui est resté un peu célèbre, et certainement certains d'entre vous se souviennent de dire que la couleur dans Guernica est partie, elle n'est pas possible, on ne peut pas on ne peut pas peindre la tragédie en couleur. Hein. Et ça, c'est la lecture, disons, typique d'une époque aussi, et d'une approche historique
qui appartenait donc à Argan dans les années 50. Et avec cet rapprochement, non seulement on gagne un point de repère de plus, mais on voit très bien que l'installation, le dispositif de Guernica n'était pas que le tableau, c'était aussi la manière dont il était montré. Il était montré justement dans un pavillon architectural, dans des conditions précises. Il était encadré par une poutre, par un morceau de mur. Il était en relation avec les images, donc les photomuraux qui étaient exposés dans la même... Et justement, quand on le voit aujourd'hui, le tableau au Reina Sofía de Madrid, on ne voit qu'un grand tableau. Un tableau d'histoire, c'est-à-dire format. De grande aura. Voilà, un tableau qui se montre comme simplement un grand tableau, un tableau d'histoire dans le format habituel des tableaux d'histoire, c'est-à-dire gigantesque. L'autre objet, toujours à Paris et dans cette exposition universelle. Mais tu vas le montrer tout à l'heure. Mais c'est ça, c'est bien ça. Donc c'est une mosaïque. Donc pourquoi la mosaïque ? La mosaïque est censée appartenir à l'architecture d'une manière stricte. C'est-à-dire, comme vous savez, Ravenna, le mur fait partie de l'esprit et de la gestalt de la mosaïque. Et ça, c'est quelque chose, c'est justement la raison pour laquelle la mosaïque revient dans la théorie et la pratique de Mario Cironi. Mais il y a un petit problème que Romy va vous dire elle-même. Il y a une contradiction que personne n'avait remarquée et qui nous permet de lire, encore une fois, à rebours cette image plutôt célèbre, en fait. Comme un dispositif, et non seulement comme un tableau en mosaïque montré dans un contexte temporaire. La contradiction, je ne veux pas dévoiler, disons, le noyau de son raisonnement, mais le problème, c'est justement la mosaïque est censée être immobile, et là, la mosaïque, elle est mobile, donc hors table. Hein, et in mobilis mobili. Immobilis mobile, le motto du capitaine Nemo dans le Nautilus de Jules Verne, hein, c'est quelque chose qui se en mouvement dans une chose en mouvement, hein, c'est ça qui est très fascinant. Alors je termine par une notation biographique, ce qui me paraît assez naturel et assez évidente d'après beaucoup d'années de fréquentation et de lecture de Romy, cette approche prend l'histoire en contrepoil, qui montre les paradoxes, les discontinuités, et surtout qui montre la pluralité dans le discours historique, c'est-à-dire une histoire qui est toujours menacée par la fragmentation du discours. Ça, c'est quelque chose. La crise et la fragmentation du discours historique revient dans l'histoire. C'est un effet d'inversion très puissant. Et ça correspond profondément aussi, si je peux dire ainsi, à la biographie de l'auteur. Hein, ça, c'est vraiment évident pour moi que non pas l'inversion, mais le fait que elle représente même. Dans sa biographie, donc quelqu'un qui est né en Italie, qui s'est formé en Angleterre, qui est parti travailler aux États-Unis, mais sur des sujets européens qui n'appartiennent pas ni à la France, ni à l'Italie, ni à l'Angleterre, ni aux États-Unis, et ni nulle part et ailleurs, et partout en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui, je pense, ce regard est enraciné dans le contexte biographique de l'auteur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, révélateur même. Ça nous démontre que l'écriture, effectivement, même l'écriture historique, n'est pas vraiment seulement, comment dire, une décision rationnelle, une intention rationnelle. Il y a aussi une profondeur d'expérience et donc
une singularité, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire quelque chose qui d'irrépressible, qui fait que effectivement le récit devient aussi un questionnement de l'identité. Et le livre, en fait, se présente dans sa veste, dans son texte et ses images comme un questionnement profond et très très original de cette modernité. De cette modernité qui avait revêt l'utopie, qui a dû se confronter non pas par la faillite de l'utopie, mais par son succès. Hein, pendant les années 30, les techniques de l'avant-garde deviennent les techniques de la communication, deviennent les techniques des États totalitaires. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, évidemment, mais quand on le voit à l'œuvre, et après coup, on peut dire que tout était déjà dit... à un moment donné, au début des années 30. Donc, la technique, le montage, le collage, tout ce qui est le grand héritage de l'avant-garde, mis au service d'une dystopie, au lieu d'être l'outil qui ouvrira ou qui va peut-être nous permettre d'aller vers le futur, vers une société rêvée, c'est l'instrument de l'oppression. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est très présent, ce thème, dans le livre. Et je pense que c'est finalement la raison pour laquelle la lecture d'un livre de ce genre nous pose des problèmes et nous pose des vraies questions vis-à-vis de l'époque contemporaine. Voilà. Oui, c'est vrai que quelque part, quand je l'écoutais... oui, mon premier livre était un livre très historique qui s'appelait « Modernity and Nostalgia, Art and Politics in France Between the Wars ». Il n'y avait pas vraiment des retournements. Ni il y avait cette question qu'ici qui m'intéresse et que je vais aborder, qui s'appelle celui de la transmédialité. Les Français m'ont accusé. C'était sur montrer comment en France l'avant-garde n'était pas vraiment d'avant-garde. Parce qu'un des thèmes qui m'a toujours intéressé, c'est de montrer que certaines choses d'avant-garde sont en fait rétrogrades et que des choses qui ont l'air rétrogrades sont d'avant-garde. Alors comme ça, on se fait beaucoup d'ennemis des deux côtés. Et on m'avait accusé d'aller comme un train comme ça de Verdun à Vichy. Et là, quelque part, quand il a parlé des discontinuités, c'était un peu plus encore ce que je fais dans le dernier livre, mon troisième livre, où c'est vraiment très discontinu. Ici, c'est un peu entre les deux. Et c'est un livre qui est surtout sur le mouvement, le nomadisme. Et c'est pour ça que j'utilise... Alors, d'abord, il faut comprendre... Je m'intéresse pas du tout à la peinture murale. Mon thème n'est pas la peinture murale. Ce sont des œuvres murales, comme vous allez voir, qui ne veulent pas être murales. C'est-à-dire des œuvres murales qui prétendent être murales et qui ne le sont pas. Et d'autres qui prétendent ne pas l'être et je montre qu'elles le sont. Donc, il y a tout le temps ce renversement. Donc, je n'ai pas de fidélité envers ce... format. Et je n'ai aussi aucune fidélité envers les matériaux. Et ce qui m'intéresse, c'est justement des œuvres qui n'ont aucune fidélité. Maintenant, il y a beaucoup de material turn, tout ça. Bon, oui, enfin, c'est toujours intéressant de voir comment les choses sont faites. Mais au fait, dans mon cas, il n'y a pas de fidélité. Donc, le sort que je fais à l'image murale est un format qui problématise l'art moderne, comme il a dit, au moment de la crise, pas seulement de l'art moderne, mais de la modernité. Et vous savez que le mural était considéré, c'était un peu le format qui était toujours un format anachroniste, qui était un format qui devait résoudre les problèmes du nomadisme, c'était quelque part toujours quelque chose qui devait être quand même réactionnaire. C'est pas un format vraiment très un format du XXe siècle. Toutes les œuvres que je regarde sont des œuvres qui problématisent même à l'intérieur du fascisme. Je montre que même dans des régimes, etc., il y avait toujours des œuvres qui, comme je vous le montrais, par leur détachement du mur, elles sont toujours un peu en porte-à-faux par rapport. J'ai utilisé le mot mural nomade que j'ai pris de Le Corbusier. Et d'ailleurs, quand je l'ai utilisé pour le titre, je me suis demandé s'ils allaient avoir un problème à la Fondation Le Corbusier. Est-ce que je peux prendre le mot mural nomade? Ils ont dit si, absolument. C'est un nom qu'il a donné en 52-53 quand il travaillait. Le livre termine deux fois. Il termine de façon très cynique, au fait, avec où je montre finalement comment un critique de l'architecture anglais que j'adore, qui s'appelle Rainer Banham, nous raconte que la synthèse des arts, c'est fini dans les années 50 et que c'est vraiment
kitsch est passé. Mais il y a aussi une première fin, qui est la fin du, premier, du cinquième chapitre, qui est avec ça. J'utilise donc ce terme de mural nomade en aritroso, à rebours. C'est un terme que Le Corbusier, l'architecte, qui vous savez se veut peintre, architecte, il est tout Le Corbusier, a donné à des tapisseries immenses, qui en fait sont trouées par les airs conditionnés, etc., qu'il a fait dans les années 50 à l'UNESCO, mais aussi en Inde. Et donc, dans cet énorme bâtiment que je ne peux pas vous montrer, mais qu'il a, à Chandigarh, qui est cette ville qu'il a inventée au moment de la partition de l'Inde et du Pakistan. Et là, pour lui, déjà, je n'ai pas ici des quotes, parce que l'autre fois que j'ai présenté ce livre à Paris, j'avais des citations, puis j'ai dit, non, basta, les citations, vous pouvez les trouver et les lire. Mais où il dit, mural nomade, oui, c'est parce que la tapisserie, est d'abord, elle est chaude à la main, et donc elle corrige l'architecture, cet agent de correctif à la... C'est le moment où le mural... de ce type-là se veut une genre de correction, une inversion, une rédemption du mural fasciste. Il s'enroule comme ça, elles sont là dans le Negev, bon, et il s'enroule et il se déplace. En même temps, il faut dire que ces tapisseries, ça c'est les Français qui sont intéressés à la tapisserie. Personne au monde aujourd'hui ne s'intéressait à la tapisserie, et donc quelque part il y a aussi ici Beauvais et Aubusson, etc. Mais pour lui, c'était quelque chose d'assez... rhétorique. Tout le livre est lié aussi à la rhétorique. Tous ces gens ont une façon de parler. Alors pour lui, donc, c'est nomade et c'est mural en même temps et c'est chaud à la main par rapport à l'architecture moderniste. Et donc, c'est une correction pour lui de certaines choses. Et c'est aussi, en fait, une forme d'orientalisme, c'est sûr, un genre d'orientalisme. Comment la France peut envoyer ses œuvres de ce type roulées comme ça jusqu'en Inde. Donc, c'est un genre de néo-néo-orientalisme. OK. Alors ça, c'est ce que je fais. En fait, le livre commence avec Monet, mais je vais arriver à ça peut-être plus tard. On m'a demandé plusieurs fois pourquoi 27, 57. On m'a dit, mais bon, tu n'as qu'à faire, je ne sais pas moi, 30 et, 5, et 60. Non, 27, il y a une raison, et je vous la montrerai. Et 57, il y a une raison qui est un livre qui défait tout ça. Donc, la lecture, en effet, se veut paradoxale. Stefano a déjà un peu expliqué comment elle est paradoxale. C'est vrai, ce sont des œuvres qui prétendent, comme je vous ai dit, être lues comme murales, alors qu'elles sont de grands tableaux, et d'autres qui sont des œuvres sans lieu et qui sont donc éphémères. Il y a tout un chapitre sur les photomontages. Alors qu'en fait, elles sont permanentes, parce que je vais vous montrer des œuvres, oui, qui prétendent à d'éphémères. Alors qu'elles, donc, il y a tout le temps une inversion. Il y a des modes d'exposition inédits, comme ici, par exemple. Quand on parle de dispositif, ça veut dire, c'est exactement ce qu'a dit Stéphane, c'est un mot très utilisé maintenant, dispositif, ça veut dire, et ça vient de Foucault, de plein de choses, mais c'est-à-dire des œuvres que l'on doit, qui révèlent quelque chose. Maintenant, mon nouveau mot dans mon dernier livre, c'est « spia », qui en fait n'existe pas en français. « Spia » en italien, c'est parfait, parce que c'est une œuvre, nom de, donné, là je le traduis même d'italien, à de divers objets et dispositifs permettant l'observation de faits non directement perceptibles. C'est-à-dire, ce sont des objets que je regarde et je comprends. Par exemple, ici on a Sironi, on avait dit, bon voilà, une œuvre importante qui aujourd'hui existe, enfin importante et affreuse, bon, on a le grand fasciste, ok, vraiment le peintre du régime, il fait cette énorme œuvre, elle est maintenant au Palazzo dell'Informazione, elle a été faite en morceaux pour être emballée, déballée, pourquoi? Parce que quand il l'a exposée ici, par exemple, et là, je reviens souvent vers certains espaces, par exemple, on peut raconter la moitié de l'histoire de l'art d'Italie en montant le Scalone de la Triennale à Milan. Parce que tout le temps, ce Scalone, tous les trois ans, était refait, revisité, encore jusqu'aujourd'hui. Donc on regarde cette scalinata et la dramaticité du Scalone. Alors là, par exemple, elle est montrée... Qui a été niée par le pont qui traverse l'espace, tu sais, maintenant. Il n'y a plus ça. Il y a un pont qui a été... qui relie le... qui relie le... Depuis les années 30, tu n'es pas allé? Depuis trois ans. Mais là, par exemple, on voit une œuvre qui n'est pas montrée dans l'entier. Bon, c'est de la propagande fasciste. Alors, elle est pas finie. Elle est avec ici des rideaux de Znia Viscosa. On a une inversion. La même personne, Pagano, Giuseppe Pagano, est un architecte moderniste, le directeur de Casabella. Il la montre d'abord, c'est-à-dire il hijack, il kidnappe cette œuvre, il lui donne un détournement, il la rend ici crypto-religieuse, plus religieuse encore qu'il ne l'est lui-même, Pagano, parce qu'à ce moment-là, il commençait à en avoir un peu ras-le-bol du fascisme, grand fascisme, ce que le fascisme devenait en 36. Donc je dis que ça, c'est presque ironique. Et puis, il la montre à Paris suspendue. Regardez, tout est basé sur une photo. Quand on étudie les expositions, c'est toujours un problème parce que tout se base ici sur une photo, dans tous les journaux, dans les archives, une photo. Cette œuvre immense,
est attaché seulement d'un côté. C'est-à-dire qu'on passe dessus, dessous, on voit l'arrière. Quand une œuvre, on voit son arrière, quelque part, je dis, c'est une forme de détournement brechtien. C'est-à-dire, c'est un détournement qui est aliénant. On n'est pas supposé regarder l'arrière d'une mosaïque. Et quelques années plus tard, Pagano va changer de camp et mourir dans un camp de concentration à Mauthausen. Et pour moi, enfin, comment on peut dire une chose pareille? Je ne sais pas si on peut même prendre la responsabilité, parce qu'en fait, il est allé encore combattre en Albanie. Mais ce que je dis, c'est que quand il a fait ça, il avait déjà compris quelque chose qu'il lui-même ne comprenait pas vraiment. C'est-à-dire, c'est l'œuvre qui parle, c'est l'installation qui parle. Siron, il va aller jusqu'à Salo. C'est un fasciste de la dernière heure, enfin, de la... Et lui, ici, la suspend. Et il la suspend comme un photomontage. Voyons, un photomontage ici. Voilà, parce que tout est en place. Voilà. C'est-à-dire que montrer que c'est un photo, que le suspendre comme un photomontage, une mosaïque, c'est dire que c'est éphémère, que c'est incorpore vili, comme il dira dans un numéro très connu de Casabella, qu'il est déjà sur le front et c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour lui, sur l'assistante. Et donc, il le montre. Le photomontage et la mosaïque, ça devrait être l'inverse. Or, c'est un photo, donc une mosaïque qui se conduit comme un photomontage, et pour, par exemple, Guernica, on verra, c'est un tableau qui est un tableau qui aujourd'hui est considéré, évidemment, c'est une icône, mais, alors, c'est-à-dire, il y a donc ces inversions. Alors, ça m'a intéressé, ok? Ça, c'est une chose, et c'est surtout par des modes d'exposition, mais aussi par la façon dont ils sont faits, parce que ça, c'est des genres de fausses spolia. Et alors, j'ai tout un truc sur, ça n'intéresse que les historiens de l'art, mais sur la réception de Alois Riegel, qui est le papa, le meilleur historien de l'art qui ait jamais vécu, viennois, en 1900, et comment les Italiens qui le lisent, qui sont les premiers à le traduire de l'allemand, le lisent comme un antifasciste. Et Riegel parle d'images qui, selon sa lecture du tardo, l'époque très tardive romaine, c'est en fait des images de fragmentation. Et la fragmentation, c'est une chose que le fascisme n'accepte pas. La rapacis, vous savez, doit être parfaitement restaurée. Donc voilà, alors j'ai tout ce problème de la fragmentation, la non-fragmentation, comment on peut lire ça par rapport à des textes d'un historien comme Alois Riegel. Et là, par exemple, ça, je viens de le découvrir. Le livre, il a été traduit exactement comme il était à 9 ans. Je n'ai pas voulu écrire une nouvelle introduction parce que 9 ans, c'est trop peu. Et je n'avais vraiment pas grand-chose de nouveau à dire. Et j'ai voulu le laisser comme il est. Mais là, par exemple, il y a quelques mois, on m'a demandé d'écrire un texte pour une exposition très spectaculaire, problématique, où il y a Esther Cohen, là-bas, tout au bout, qui a écrit un article très spectaculaire. J'étais très contente là-dessus, parce qu'on a toutes participé, mais avec quelques doutes, et qui était une exposition qui s'appelle Post-Zanctum-Tum sur le fascisme, et comme le fascisme était extraordinaire, et quanto si ça va bien, mais enfin, on faisait une œuvre très spectaculaire à la Fondation Prada. On m'a demandé de nouveau de réécrire sur la peinture murale. C'est souvent le cas quand on écrit pour des expositions, on vous demande toujours de faire la même chose. Je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, j'ai trouvé toutes sortes de petits systèmes pour raconter des choses nouvelles. Mais une chose, par exemple, que j'avais découvert, c'est que, vous voyez ici, donc cette première triennale à Milan, c'est la cinquième parce qu'elle était avant à Monza, et donc ça célèbre la peinture murale comme le format fasciste. Et là, on compare, au fait, cette œuvre-là, dans les pages de Dormus, qui est une œuvre de, comment il s'appelle, d'Achille Funi, grand fasciste, qui s'appelle « Les Jeux d'athlétisme italien », et il le compare à un photomontage. Et il utilise le mot « photomontage ». Il dit pourquoi ? Parce que c'est comme des photos sur du papier noir. Une chose qui est coupée, découpée sur du papier, c'est l'inverse de ce que ça veut dire. Donc, il faut savoir lire entre les lignes et montrer comment une chose peut-être révèle une autre chose qui est éphémère, moderniste, etc. Même et quand on fait par l'idéologie, dénié, de tous ces dénié. Artistes, voilà, évidemment. C'est ça. C'est contre le déni de tout ça. Et donc on lit des critiques et on essaie de voir comme ça entre les lignes. C'est aussi une qualité du modernisme italien de l'époque. Oui. Cette ambiguïté aussi dans l'exposition de 32, il y a plein d'exemples. Intéressant, de formes modernistes qui ont été oui. tirées de l'avant-garde soviétique, oui. qui sont réadaptées à un contexte exemple, de continu. Si Stéphane, faisons... Mon Dieu, là, je ne comprends même pas le format de ce truc. Bon, voilà, par exemple, ça, c'est la photo murale. C'était très important dans les années 30. C'était ce type de format. Ils sont tous... ils n'existent plus, ces photos muraux. Ils ont tous été détruits. Mais vous voyez qu'il y en a qui sont plus artistiques que d'autres et il y en a qui sont en couleur. Et celui-là, par exemple, était en couleur. Lucie Amazonon.
Ça, c'est un format qui, par exemple, à l'exposition de 37, qui pour moi était une exposition importante dans ce livre, c'était aussi une façon de traiter de beaucoup de pays ensemble. Je ne lis pas le russe, je lis très mal l'allemand. Ça m'a permis de montrer comment il y a une compétition entre les pays. On a trop tendance à lire les choses monographiquement. Le photomural était un format et un médium que tout le monde voulait avoir. Et la gauche et la droite, elle passe de gauche à droite, de gauche à droite. Elle commence à gauche. Et elle finit de nouveau à gauche. Ça, c'est la gauche, c'est les Russes. Et c'est l'exposition presse à Cologne. Oui, ça fête donc les 10 ans du régime communiste, vous voyez le 10. Mais vous voyez que c'est doux déjà. Mais oui. C'est comme si c'était ça passe en Italie. Et les photos de presse a été publiées dans les revues d'architecture italienne en même temps, dans les revues officielles, ce qui est intéressant. Exactement. Et Sironi, évidemment. Sironi écrit, il va et il dit, voilà. Alors ça, c'est les Italiens. Alors vous voyez que c'est déjà différent parce que c'est déjà trois-dimensionnel, on dirait, c'est dantesque. Donc alors je parle comment un médium est comme ça, et puis il est comme ça, et puis il est comme ça. Encore, alors ça, c'est... Donnez-moi 4 ans, OK ? Les Allemands font ça mieux que les autres parce qu'ils ont une technique de photographie qui permet de faire des photomontages. Mais après, ça devient, en 37, ni les Russes, ni les nazis veulent, au fait, du photomontage parce qu'ils veulent montrer des vraies œuvres d'art. Alors, chez qui ça passe ? Ça repasse donc à des régimes socialistes. Et qui sont les deux régimes socialistes en Europe à ce moment-là ? C'est les Français, le Front populaire. Et là, il y a l'enfance, etc. Et puis, ça passe aussi chez les Espagnols. Et là, alors, on a ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est l'œuvre, par exemple, qui a été faite. Bon, elle est dans un musée. C'est l'œuvre la plus fameuse de cette exposition de 37. C'est l'œuvre peut-être... vous savez, tout le monde sait ce que c'est Guernica. C'est immense. Je dois dire que... Alors, je dis que c'est, au fait, un genre de faux photomontage. Pourquoi ? Que je dis que son mode of address, la façon dont... Qu'est-ce que c'est ? En disant qu'il fait quelque chose qui ressemble à un photomontage, il dit « Je suis un compagnon de route des socialistes républicains espagnols dans un pavillon qui est entièrement couvert de photomontage. » Là, je ne vous montre pas, mais dedans, dehors, il est entouré de ça. Et vous voyez comme elle est maltraitée. Elle est là, il pleut, il vente. Elle est à l'extérieur, cette œuvre. Et après, il l'a envoyée dans 20 villes pour faire de la propagande antifasciste. Donc, je regarde ça comme ça. Et regardez comment elle est faite, même, les photos de Nora Mar. On coupe, on allume. C'est clair que cet homme a inventé le collage. Donc, on ne va même pas si loin. Ceci dit, quand je suis revenue à Madrid, j'ai fait une exposition à Madrid, une partie d'une expo sur les années 30. Hein? Encuentros con los años 30. Tout à coup, je revois Guernica, que j'avais vue comme enfant, oui, au MoMA, parce qu'elle était au MoMA, vous savez, toutes les années, elle était au Musée d'Art Moderne à New York, parce qu'il l'avait envoyée en Amérique, et puis Franco est venu gagner la guerre. Et là, je vois, par exemple, alors ça c'est une petite histoire qui raconte comment, quand on prépare une exposition soi-même, on se rend compte de plein de choses. Elle est là, et elle a ses gardes, hein. Toujours elle est gardée, elle était sous verre, et maintenant, vous savez, après que la mort de Franco, Picasso a dit, après la mort de Franco, elle peut revenir en Espagne. Picasso était déjà mort, elle va d'abord au Prado, après elle va au Reina Sofia. Vous voyez qu'elle est gardée là comme ça. Moi, quand j'ai fait cette expo, je voulais une partie sur les années 30, c'était ce qu'on m'avait assigné, c'était des grandes œuvres, hein? Il fallait amener des grandes œuvres. Cette merveilleuse, ce photomontage-là, je ne sais pas si je peux vous le montrer, non, mais il a disparu, mais en tout cas, c'est là. Vous voyez, il y a une main socialiste, là, comme ça, qui se lève, et il y a des bigoudines qui y jouent. Voyons si je l'ai ici. C'est des bigoudines. Les bigoudines, il faut que je les montre, on est quand même chez les Français. Voilà, les bigoudines. Et vous voyez, ça, c'est Léger et Charlotte Perriand. Fernand Léger, excusez-moi, et Charlotte Perriand qui font ça pour un pavillon à l'exposition 37. Alors, on a encore un photomontage. Ce photomontage a été détruit. Je l'ai vu par hasard à une exposition sur Charlotte Perriand où il a été refait pour aujourd'hui. C'est-à-dire refait avec ses couleurs, etc. Je n'avais jamais vu un photomural de ma vie quand j'avais écrit là-dessus. Et alors, du coup, ce qui était vraiment un peu l'histoire du livre, parce que le livre, je l'avais déjà écrit avant d'écrire pour Lorena Sofia, je leur ai dit à l'exposition, donnez-moi ce photomontage. Il n'a aucune valeur marchande. Ils allaient le détruire. Il a été donné, grâce à moi, en fait, comme don au Reina Sofia. Et il est tout le temps exposé là-bas. Et on a une célébration du Front populaire là-bas. Moi, je voulais qu'il soit en face de Guernica. Et là, il a dit, ce Borja Vilel, qui pourtant le conservateur, le directeur, qui aime le plus... tout est situationniste pour Borja Vilel. Je lui ai dit, je veux que les deux soient en face l'un de l'autre. Pour
montrer comment Guernica est comme un photomontage, comme un photomur. Il a dit non. Il a dit, on ne peut pas faire ça aux Espagnols. Elle doit rester seule, l'icône. Entourée, l'icône, avec ses gardes. On peut la mettre devant un film. Il l'a fait, parce que c'est dans un film héroïque sur la libération, de, enfin, la bataille de Barcelone. Il a refusé. Et ça, c'est Monsieur Paper de les mettre. Alors, quand on va à Barcelone aujourd'hui, enfin, à Madrid, je crois qu'elle est, mais elle est séparée. Elle est dans un autre étage. Et là, c'était là, j'avais fait ça avec des trucs d'exposition coloniale. Alors, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que les œuvres se détruisent, qu'elles se roulent, qu'est-ce que c'est que donner une œuvre qui n'a pas de valeur marchande, et des choses comme ça. Et donc, j'ai eu ma petite histoire du mural nomade, toute pour moi. Enfin, j'ai compris l'histoire de cette... Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre ? Ça, c'est un peu l'avant-guerre. Et une autre chose, je veux dire, c'est que ça commence avec cette œuvre-là. Et ça, c'est une installation qui a eu 100 ans. Comment elle a eu 100 ans ? Parce qu'elle a été donnée, en fait, en 1918. En 1918, il a décidé de la donner à l'État français. Et après, elle a été exposée, mais après sa mort. Pourquoi j'ai commencé avec ça ? On pouvait commencer de mille façons. On ne sait jamais comment commencer un livre, et ça, c'est toujours le problème. Cette œuvre-là, que vous connaissez, qui a été maintenant réinstallée, etc., sa réception a été complètement négative. C'était un homme, ils ont dit, qui a vécu trop longtemps dans le XXe siècle. Personne ne voulait voir de l'impressionnisme. Et puis, ce n'était même pas de l'impressionnisme, c'était le vide, la claustrophobie, le vide, la peur. Enfin, toutes les revues étaient négatives. Et pour moi, c'était fascinant d'avoir découvert ça. Et donc, j'ai écrit ce texte qui a commencé le livre entier pour une exposition qui s'appelait « Monet in the 20th Century ». Où, je me rappelle, c'était le type qui faisait ça, s'appelait Paul Tucker, ce professeur. Et je lui ai dit, Paul, I want to write on Monet. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu sais, toi, sur Monet? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu... J'ai dit, non, je veux faire ce texte parce que j'ai quelque chose à dire. Et donc, c'était sur la réception négative. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait coller. Il avait tellement peur, Monet, en mourant, que cette œuvre-là soit mise dans les... Déjà, personne n'allait la visiter parce qu'elle était un cul-de-sac derrière l'orangerie. Personne n'allait là-bas. Il l'a faite coller au mur pour qu'on ne la jette pas, pour qu'on ne la mette pas dans des sous-sols. Et donc, l'ironie dès le début, et là j'ai toute une lecture très compliquée avec Freud et Romain Rolland et tout ça. Enfin, si ça, ça c'est la partie en fait la plus complexe du livre, bizarrement, et la plus poétique, je crois. C'est d'avoir donc ces œuvres qui sont le vide, qui sont pourtant collées au mur, et qui sont un don à la nation, un don pour la victoire. Et là, on a une installation, on a un dispositif. Et au fait, je la compare, et ça, les Français n'ont pas acheté ça, même à ça. Je dis, la taille de cette œuvre et la façon dont elle est détruite, c'est la tranchée. Et alors là, quelque part, j'ai touché un petit point, je crois, dur, parce que même Véronique Hersin, là, qui me dit, ah, mais ça, moi, non. Je dis, non, excuse-moi, mais c'est comme ça. Mais j'ai vu que j'ai touché un petit punctum, les Suisses, mais bon. Et que ça, c'est quelque part une œuvre qui, autant, elle est belle, elle est poétique, etc. Elle était décrite négativement tout le temps. Et les termes, alors je cherche les termes qui étaient utilisés, c'était tous des termes de mort, de perte de soi, de... Oui. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et puis tout à coup, j'ai dit, mais c'est ça, ça a la taille de la tranchée. Et ça, c'est moi. Donc il y a des moments où l'historien de l'art prend le risque et dit, c'est ça. That's what they're trying. C'est comme une asymptote. C'est ça ce qu'ils essaient de dire. Mais ils n'arrivent pas à le dire. C'est un genre de blind spot. Ils ne peuvent pas le dire. Ils ne sont pas prêts à le dire. Voilà. Alors, dans les années 50, si on veut passer après aux années 50, comme ça, après, on vous libère. Alors, on commence avec ça, c'est négatif. Après, je suis passée, donc, il y avait le photomontage et tout ça, et toutes les années 30, et il y a les Français aussi qui disent que oh mon Dieu, les Italiens, ils sont merveilleux, ils savent faire de la peinture murale. Toute la gauche française trouve que toutes ces choses murales fascistes sont merveilleuses. Jusqu'à des membres de l'UAM. Ah oui, les Italiens, ils savent ce que c'est que la peinture murale, ils savent faire de la peinture murale. Nous, on est nuls, notre pavillon à la presse de Cologne était nul. Donc, tout le monde veut ce format. Et évidemment, il y a aussi le Mexique. Maintenant, la raison pour laquelle je n'ai pas touché au Mexique, et les gens qui sont... J'ai eu une des revues qui m'a dit, mais enfin, le Mexique, c'est parce que je pense que les Mexicains ne problématisent pas ce format.
quelque part en Mexique, c'est un format héroïque et qui reste héroïque, qui n'est pas problématisé, qui n'est pas assez. Donc, bon, peut-être qu'il ne faut pas le dire, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 50? Cette œuvre est redécouverte par les Américains, par les GIs, par Pollock, etc. C'est-à-dire, les Français n'en voulaient pas, elle a été détruite. Mais pendant... Au milieu de la guerre, il y a eu des obus qui sont tombés, il y a des photos de cette œuvre. Mais vraiment, c'est incroyable de penser Monet, leur grand... Cette œuvre était dans un état lamentable, il a fallu la restaurer, etc. Ils viennent, ils disent non, ça c'est ce que nous on veut. Par les Américains, elle est redécouverte. Ça c'est Pollock et Clifford Still. Et donc je parle un petit peu de ça, pas tellement. Je sais que là récemment, il y a une exposition en France. Ça c'est toujours, ça continue quand on parle de l'art moderne. Alors elle s'appelait « Ils ont continué Monet ». J'ai pas trouvé que... Enfin, bon, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait eu cette exposition, Cécile Debré qui l'a faite, m'a invitée, etc. Mais ils ont continué Monet, c'est de nouveau pour dire qu'elle n'a pas vraiment été redécouverte par des Américains. C'est-à-dire que, oh oui, Pollock a continué Monet, alors qu'au fait, Pollock a compris quelque chose de Monet que les Français n'avaient jamais compris. Et c'est-à-dire cette œuvre qui n'est pas murale, mais qui est, comme a compris Clement Greenberg, qui a un format très particulier, qui n'est pas murale non plus, mais qui est off-screen, qui est un genre de format... Cinémascope. Oui, qui n'est ni une œuvre encadrée, ni en fait vraiment une œuvre de cinéma. Et maintenant, tout à coup, j'ai oublié le terme qu'il utilise, mais c'est le problème vraiment du easel painting. I mean, what do you, comment? Et donc, il y a tous ces textes de Clement Greenberg. Ils sont intéressants. Stéphane Rouy-Delvaux, attendez. Et voilà. Et après, on arrive donc à l'après-guerre. Donc, d'abord, Monet, c'est très bien. Tout ce qui était éphémère, tout ce qui ne plaisait pas chez Monet après la Première Guerre mondiale, plaît après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il y a après la Seconde Guerre mondiale? On a une inversion des signes. La guerre mondiale, ici, ne joue pas un grand rôle pour moi. Parce que, je ne sais pas, mon premier livre était entièrement sur les guerres, sur la Première Guerre, etc. Mon Dieu, il n'y a pas un livre sur les tranchées que je n'ai pas lu, et pas pleuré, et pas je ne sais pas quoi. Là, il y a la guerre, non. La guerre, parce que c'est un livre, d'ailleurs, qui ne veut pas prendre la guerre comme une grande caesura, qui lit les années 50 et les années 30 comme repliés l'un sur l'autre, ou les années 50 répondent aux années 30, ou inversent les années 30. Donc la guerre, elle est là, évidemment, mais elle est implicite. Et alors, qu'est-ce qui se passe après la guerre? Il y a deux positions qu'on peut avoir. Un est celle... Alors, on inverse les signes. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on inverse les signes? Les Italiens décident qu'on ne fait plus de peinture murale. On n'est plus fasciste. On va inverser les signes en faisant quoi? Alors d'abord, bon, je dis, il y a le revirement de fortune de Monet qui était négatif et après positif. Et là, je parle de la géopolitique du décoratif. C'est-à-dire qu'après la guerre... Chez les Italiens, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de montrer le plus possible que le mural est un supplément, de façon presque dire un supplément inutile, un supplément au sens de Jacques Derrida. C'est un parergon. Et c'est ce que font Fontana, Mario Radice, Gianni Dova, etc. On sabotage, des gestes de sabotage du mural fasciste. Comment on le fait? Pas dans les grands... Bon, il y en a, évidemment, à la FAO, etc. Je vais montrer quelques plafonds dans deux minutes, parce que Claudio est là. Mais on le fait aussi sur la Palazzina. La Palazzina, qui est la chose la moins... Alors, il y a les Palazzine de Milan décorées. Alors, tout est décoré... Et ou fragmenté, et là, il y avait toujours la peur du fragment, hein, chez les fascistes, ou détaché. Là, even, God is in the detail. Là, il y a ces balconcini, là, on regarde, tout est accroché comme si ça allait tomber. C'est-à-dire, tout est en suspension. C'est-à-dire, cette œuvre en suspension, quand Pagano met Sironi en suspension, c'est un geste antifasciste et problématique. Là, on veut tout être en plus. La grande peur de la décoration, et enfin, en général, vous savez, de l'architecture moderne ne veut pas être décorée. Il y a toujours ce problème où les architectes n'appellent pas, c'est les artistes qui sont là, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît? Non. Parce que les grands architectes, Le Corbusier, qui apparaît, qui avait disparu, mais quand Le Corbusier est allé chez les fascistes parler en 1936 à la Fondazione Volta, et on le voit ici, truc que je ne vois pas, oui, viens. Et il leur dit, on va dynamiter le mur. Moi, je crois à la polychromie architecturale, mais ce n'est pas des figures, c'est des murs peints de couleur unique. Et il dit, les murs peints en une couleur se déplacent, parce que le rouge se rapproche. Donc, il arrive chez eux, il est là-bas à la Farnesina, avec tous les trucs, et il leur dit, mais moi, je vais dynamiter ces murs. Et il est en conversation, en fait, enfin, avec Piacentini, qui était malade. Mais enfin, l'idée, c'était d'avoir Piacentini, donc pas encore monsieur fasciste, contre Le Corbusier.
Les Italiens ont eu le courage de le faire. Et il est venu, en effet, il leur a dit tout ce qu'il fallait. Enfin, il était très provocateur. Je vais dynamiter. Il y a une autre façon. Ne pleurons pas. Le Corbusier écrit toujours très bien. C'est très amusant à lire. Il a dit oui, les vagissements. Arrêtons avec toutes ces mosaïques. On n'en peut plus. Et ils acceptent tout ça. Mais quelque part, ils savaient aussi que Le Corbusier était intéressé lui-même à la question de la peinture murale. Donc, tout le monde essaie de tendre une trappe à tout le monde. C'est-à-dire, Corbu est là, mais pourquoi ? Parce que Corbu aussi pense à des trucs comme ça, par exemple, à comment des futuristes ont fait des fausses ruines. Il y a des choses bizarres. Ça, c'est à La Spezia. Qu'est-ce que c'est pour un futuriste de faire une fausse ruine ? Alors, j'ai tout un truc là-dessus sur slow time, sur le temps. Alors, bon, je reviens à Le Corbusier. Le Corbusier traverse le livre. Parce que Le Corbusier donne le titre, Le Corbusier a plusieurs définitions différentes de ce que c'est que cette murale, et Le Corbusier comprend toujours, c'est le seul qui arrive à en parler de façon qui n'est jamais anachronique. Il comprend quelque part qu'il arrive à trouver toutes sortes de formulations pas anachroniques. Après, je vous dis encore deux petites choses sur les années 50. Alors, il y a les deux. Alors là, les Italiens et les Français, quelque part, se divisent. Les Allemands, ils font rien à ce moment-là. Enfin, ils font, mais pas des grandes choses. L'idée en Allemagne, c'est de se cacher sous terre, bon, de disparaître de l'Europe, si on peut, pendant quelques années. Et là, ça devient entre les Italiens et les Français. Alors, les Italiens, voilà un Français. Il visite, pour l'architecture d'aujourd'hui, il s'appelle André Bloch. Il est sur la couverture de mon livre. Et il est un architecte, et il dirige cette revue, et il dit, oui, les Italiens font ce type de synthèse des arts. C'est une synthèse qui est, en fait, une synthèse qui est problématisée, et qui est ironique, et qui est amusante, et qui a donc la palazzine. Voilà encore des palazzines. Il n'y en a pas tellement, hein, je suis allée les chercher, et quelques Italiens avaient déjà écrit sur les palazzines. Hein. Je dois dire que là, je suis redevable à d'autres personnes, mais qui n'ont pas parlé de ça de façon aussi ironique et de façon... C'est-à-dire, ils n'ont pas parlé de ça par rapport à l'Italie, par rapport à Gorbu, par rapport à l'Amérique. Là, moi, j'ai voulu... C'est comme des personnages dans une pièce de théâtre, écrire un livre. Chacun, ici, les Français font un truc, les Italiens répondent de cette façon, les Allemands regardent. C'est-à-dire, tout ça, c'est un discours qui connecte ces nations et qui... Alors, on a ça, voilà, Dove a toujours séparé, puis toujours... Alors, maintenant, les Mattonelle. Et oui, ça, c'est le grand moment de la Mattonelle, parce que la Mattonelle, là, c'est pas la mosaïque. Hein? C'est la Mattonelle de salle de bain ou de je ne sais pas quoi. Alors voilà, alors ça c'est ce qu'on fait parce qu'il faut que ça soit ou des situations comme ça, ou cette œuvre-là recouvre cette œuvre-là. On recouvre, alors on se détache, on recouvre. Maintenant, elles sont de nouveau, comme vous savez, au Palazzo dei Congressi, elles sont séparées, elles sont dos à dos des deux côtés de l'immeuble. On les a c'était comme des twins, elles étaient une devant l'autre, une cachée l'autre en 53, bon, cubiste, bon, frise de l'agriculture, hein. Évidemment, ça cache. C'était le moment maximal, n'est-ce pas, de tout de ce qu'il fallait plus faire après la guerre. Très bien, on va et on fout ça devant, et maintenant on les resépare. Et puis, il y a, par exemple, les plafonds suspendus. Tout doit être suspendu. Où on est ? La FAO. La FAO, comme vous savez, grand immeuble, etc., fasciste, qui devient la FAO. Alors, on passe du ministère des colonies, rebaptisé FAO, bonne organisation qui donne de l'argent, gnagnagna. Moi, mon père travaillait pour la FAO, oui, tout le monde très gentil à la FAO. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à la FAO ? On suspend. Alors, qu'est-ce que je parle ? Et ici, même chose à la Farnesina aussi, un immeuble fasciste fini après la guerre. Même chose à Stazione Termini. Il y a le petit truc là de Tote, la frise. Alors, c'est devant, c'est suspendu. Les fascistes n'aiment pas les plafonds. Il y a très peu de plafonds fascistes. Et alors, c'est un sotto, c'est un plafond qui est suspendu, qui est décroché, on déstabilise l'architecture. Bon, moi, je crois que tout ça, c'est kitsch et c'est vraiment... Non, questa roba proprio, c'est pas génial. Hein, c'était mieux pendant la Renaissance. Mais ça existe et c'est là et c'est décroché. Et ça, c'est très important. Donc, on sabotage un petit peu et voilà. Les Français, non, ils font ça différemment. Il faut continuer le rayonnement avec des œuvres vraiment absurdes, je dois dire. L'Ursa, grand aimé de la France à ce moment-là, il décore les églises. Et puis ici, on a l'Ursa dans les bureaux de poste, l'Ursa et tous ses followers. Et c'est immense. Et ça se veut, vous savez, ça ressemble évidemment, ils vont et revisitent l'Apocalypse d'Angers, c'est-à-dire des grandes œuvres du Moyen-Âge. Et là, donc, je parle de tout cet humanisme de l'Église, qui n'a rien fait, évidemment, pour personne pendant la guerre, certainement pas pour les Juifs, en tout cas, qui donc se donne une deuxième vie avec tout ça.
Mais Corbusier, ça ne l'intéresse pas, ça. Le Corbusier arrive à moderniser cette idée de la tapisserie. Mais pour les Français, qu'est-ce que c'est la tapisserie? C'est le mode héroïque. Aubusson, pendant la guerre, ils ont continué, underground, soi-disant, à faire des tapisseries pour la résistance. La moitié était pour Vichy, mais bon, enfin, il y a eu Vichy et il y a eu la résistance. Après, mais d'un autre côté, c'est aussi Beauvais. Et l'autre jour, là, je parlais de ça avec Alina Payne, notre amie, j'ai passé le week-end avec Alina. On apprend toujours des gens qui ne s'occupent pas de la même période. Et Alina Payne, qui est à Itati, a écrit aussi sur un peu sur tout ça, sur des problèmes de la décoration, des objets, de la Klein Architecture. Et elle me disait, là, tout à coup, je me suis rendu compte que c'est sûr, chez les Français, il y a toujours cette obsession de la révolution et de la destruction et de l'iconoclasme. Et donc, ces tapisseries, après la Seconde Guerre mondiale, quand même, ils ont souffert de la guerre, même s'ils ont collaboré, elle est là comme un bandage et elle revient à la résistance et au résistentialisme, tout ça. Donc c'est ancré dans tout ça, parce que qui veut de la tapisserie en France après la guerre? La gauche, Jean Cassou, toutes les socialistes, parce qu'ils disent que par la tapisserie les gens comprendront ce que c'est que l'abstraction, même si c'est des choses aussi laides que ça, ou la tapisserie. Donc la tapisserie devient une chose non plus de droite mais de gauche. La mosaïque était à droite, la céramique Mattonella est à gauche. Tout par les transmédialités se transfère de droite à gauche. Donc c'est les modes d'exposition, la façon de traiter les matériaux. Beauvais, oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi les grandes manufactures, quand même d'avant la Révolution. C'est ça, c'est la grande continuité française. Et c'est pour ça qu'on va envoyer tout ça jusqu'en Inde. Et après, finalement, on arrête de faire ça. Vous savez qu'à l'ONU, il y a une tapisserie de Guernica, oui, cette fameuse tapisserie qui a été... Bon, alors, j'en parle dans le livre, etc. La fameuse qui a été couverte quand Colin Powell a parlé. Qui a fait ça? Les Français, c'était un hommage. Et, Picasso a dit, oui, très bien, faites cet hommage à l'ONU. Je ne sais pas, c'est Rockefeller qui l'a fait. Parce que ces tapisseries permettaient aussi, évidemment, de reproduire. C'était un mode de reproduction. Et bon, on a ça. Ah oui, alors, une autre chose, c'est que je parle un petit peu de l'Amérique. Alors, il y a des Français et des Espagnols qui vont en Amérique. Alors, on leur dit, vous pouvez faire du décoratif, vous êtes Européens. Alors, restez dans les restaurants. Et voilà, ça, c'est merveilleux. Ça a été détruit, maintenant, vous voyez que c'est là. Il y en a aussi à Harvard. Alors, ça, c'est ce que les Américains disent, nous, on ne va pas faire ça. Et Jackson Pollock n'utilise jamais la parole mural. Il le fait une fois pour son mural au Iowa, dans le Iowa, en 1943, never again. Parce que ça a des connotations ou européennes de droite, etc., et des années 30, ou mexicaines, et il n'en veut plus des Mexicains, parce que ça allait pour un peu, mais après, non. Ou c'est décoratif. Et donc, on fait ça du décoratif. Alors, il y a toujours ce problème du décoratif, la peur du décoratif, qui est un des grands thèmes, n'est-ce pas, de la modernité, où il ne faut pas, qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand Kandinsky a commencé à faire des toiles décoratives, il avait très peur. Il disait, oui, j'ai très peur qu'on pense que ça soit comme une cravate, etc. Il faut que ça soit autonome, l'autonomie. Et là, c'est jamais vraiment autonome, parce que c'est ça le problème de... Mais vous voyez que c'est couvre. Alors, dans les années 50, tout est couvre, tout est baroque. Tout est comme des bras qui embrassent. Tout est ou détaché, courbe, ou courbe et détaché. Et ça, c'est ce que vous avez ici aussi. Alors voilà, j'ai presque fini. On est à Caracas, au campus universitaire. Il y en a plein, des comme ça, là-bas. Je vous avouerai que je n'ai jamais été à Caracas. C'est un des endroits où je n'ai pas été dans ce livre. J'ai été à Chandigarh, je n'ai pas été à Caracas. C'est le dean de l'université qui m'a envoyé plein de photos. Il faudrait que j'aille un jour, mais bon... et il y a plein de choses là-bas, parce que c'est les Français et les... Parce que ce Carlos Raúl de Villanueva avait étudié avec le Corbusier à Paris. Et il y a plein d'artistes jeunes, donc du Venezuela, de toute l'Amérique latine, et des Français. Il y a Léger, il y a Matisse, je ne sais pas quoi. Ils viennent tous et ils font tous leur céramique de nouveau. C'est toujours la Mattonella, hein. Et vous voyez comment c'est décroché du mur. Il y en a dans toute l'Amérique latine, il y en a en Afrique. Ça, ça devient quelque part une chose qu'on exporte au tiers-monde. Nous, on ne fait plus tellement ça en Europe. Mais vous, vous pouvez encore, à la fin des années 50... C'est le modernisme colonial, oui, en fait. Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est un modernisme d'exportation. Mmh. Et voilà, alors j'ai un peu là-dessus. J'aurais pu même plus, quelque part, si déjà, je dois dire que quand tu dis ça, tu vois, ça m'intéresse plus. J'en ai assez du fascisme. Et oui, alors ça, voilà. Et puis, on peut finir avec ça. Alors ça, c'est vraiment la fin du livre. Ça, c'est l'exposition. Bon, c'est un peu un jump. Qui est à Londres, en 56, qui est compliqué. Ça, c'est un des pavillons, mais c'est un genre de destroy, non? C'est comme un genre de petit pavillon post-atomique. Et là, on est dans une toute autre sensibilité. Néo-Dada. Et
ce qui m'intéressait, si vous achetez le livre, il faut acheter, vous comprendrez, je fais encore une dualité. C'est-à-dire, d'un côté, on a encore tous ces gens qui continuent ça. Et ça, c'est encore années 50. Et ça, c'est années 50, mais qui regarde aux années 30. Ça, c'est déjà rétro, quelque part. Et c'est pour ça qu'on exporte ce genre de truc. Mais chez soi, on fait ça. Et ça, ça veut dire que, vous voyez, qu'on utilise... Bon, tout est contre... c'est déjà l'œuvre qui est complètement en liquéfaction et c'est anti-autonomie, anti... ça, c'est... On revient aux avant-gardes. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai raconté, c'est l'histoire d'une modernité contrariée, complexée, un peu cucu, des choses que les gens ne veulent pas souvent regarder. Et là, on est... Oui, c'est-à-dire, à ce moment-là... Et ça, les Italiens le comprennent aussi, Gillo Dorfles, parce que lui, il va à Londres, ce Gillo Dorfles, qui est mort il y a 2 ans, à l'âge de 103 ans, et il dit, oui, ça, c'est la conclusion, parce que d'un côté, il y a un livre. Comme vous savez, souvent, tout est duel. C'est-à-dire, c'est une chose, quand la chose triomphe, absolument, on sait que c'est la fin. C'est comme ça que Benjamin a compris. Alors, par exemple, en 58, l'expressionnisme abstrait se promène à travers l'Europe. Qu'est-ce que montrent les Français dans leur musée en 58? Pollock, 2 mois plus tard, une exposition de l'Ursa, des tapisseries gigantesques. C'est complètement fou. Enfin, comment ils ont pensé qu'on pouvait montrer l'Ursa et des œuvres qui ressemblent à Pollock, que je ne vous montre pas, en tapisserie. Alors, c'est la fin, au fait, aussi de l'expressionnisme abstrait. C'est-à-dire, quand une chose triomphe, elle se termine. Là, 56, c'est le triomphe de ça, enfin, de cette chose-là, parce qu'il y a un livre qui sort d'un homme qui s'appelle Paul Damas, qui est l'histoire... Ah, non, pardon, ça c'est mon livre, ça ne va pas. L'histoire de tout ça. Et Dorfles dit non. D'un côté, il y a cet homme qui raconte l'histoire du mural au XXe siècle, et puis d'un autre côté, il y a cette chose que je vais montrer qui est déjà destroyée. Et il dit, oui, les deux fonctionnent en même temps. C'est-à-dire, se situera cela. Les deux choses... Alors, je suis intéressée aussi à ces questions de périodisation, comment il y a des années clés comme ça, mais des années clés qui sont opposées. Bon, il y a 36, il y a 37, il y a 108, il y a 27. Chaque chose a tout le temps son opposé au même moment. Et je crois que c'est fini pour moi ici et qu'on va vous poser des questions. Et à l'intérieur de tout ça, il y a aussi un peu d'historiographie, oui, comme j'ai dit, pour les addetti ai lavori, sur Riegel, sur Henri Faucillon, Gottfried Semper, qui est le grand théoricien de l'architecture en Allemagne et qui finalement donne une origine textile à l'architecture. Gottfried Semper, il dit au début, tout était des parois. Tout était des parois, mais mobiles. La tente, les fêtes. Et il dit, tout ce qui est décoration, en fait, des murs, en fait, nous rappelle à cette chose mobile qui était l'architecture des débuts, ou le principe, en tout cas, textile de l'architecture. Et ça, oui, les Allemands le savent. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Ça montre parce que je travaillais d'une façon avec des Français, des Italiens, qui maintenant s'intéressent à Semper, maintenant, à l'époque, moins. Et alors, j'ai dû demander à des personnes, j'ai dit, mais est-ce que Le Corbusier lisait Semper? Alors, pour ça, il fallait que je demande, parce que j'avais jamais vu. Et évidemment, d'autres m'ont dit, mais bien sûr qu'il a lu Semper et tous ses textes sur l'origine textile de l'architecture, puisqu'il est suisse-allemand. Enfin, suisse-allemand-français, enfin, suisse-français, mais qui lisait l'allemand. Alors, il y a comme ça des redécouvertes, et c'est ça qui. Des textes qui deviennent des textes forts. Je ne crois pas que les gens lisaient Semper après la guerre. Non, il y a des fois où je sais qu'il y a eu des relectures. Semper, je n'ai pas eu l'impression. Non, je n'ai pas trouvé. Mais certainement, des gens comme Riegel, etc., étaient relus chaque fois sous une autre... Voilà. Alors, j'ai pris ce mural et je lui ai donné comme ça, cette histoire. Qui, quelque part, a un côté... Je dis, là, cette histoire de la transmédialité, etc., est très amusante parce qu'elle permet de naviguer d'un médium à l'autre. Voilà. Merci. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la Librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram.